émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices, qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des Ouvriers pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Une alliance, enfin, pour conclure des accords électoraux à l'occasion des consultations électorales de 2023, municipales et régionales, et de 2025, présidentielles, dans la dynamique d'une gestion conjointe de l'État. À juste titre, cette alliance suscite des frayeurs. Là où l'on rêve de nous voir sombrer et disparaître du paysage politique afin de pouvoir vivre et prospérer sur nos dépouilles. Mais à juste titre, nos militants s'en félicitent, car non seulement elle est appelée à bipolariser le paysage politique national dans une configuration inédite en faveur des partis du pouvoir, mais plus encore, elle nous permet d'apporter notre sensibilité particulière à l'action du gouvernement, d'impulser une dynamique supplémentaire sur le plan social, de nous rendre utiles à notre pays et de disposer d'un tremplin pour la victoire commune.